aujourd'hui, je vais vous présenter cette recette-là, le wanché, le riz à l'haricot. Là, j'ai 250 grammes d'haricots que j'ai laissé tremper la veille, que je viens à peine de retirer de l'eau. Là, j'ai un demi-kilo de riz. Je vais le faire au poisson aujourd'hui. Normalement, la recette originale se fait avec les feuilles de sorgho. Mais là, il faut que je parte en France pour en trouver. Je vais chercher ici un peu, il n'y en a plus. Donc, je pense que je dois me déplacer le jour où je vais à Strasbourg, que j'en trouve. Voilà, je vais vous montrer la recette originale du wanché ghanéen. Mais aujourd'hui, je vais faire à une autre façon que je fais aussi lorsque j'ai envie de manger cette recette-là et que je n'ai pas trop souvent les feuilles de sorgho à la maison. Moi, je vais le faire avec le poisson cap rouge aujourd'hui. Voilà, donc là, je découpe, je nettoie mon poisson et on se dit à tout à l'heure pour la suite. Sinon, si j'ai un conseil à vous donner, laissez tremper vos haricots la veille pour que ce soit facile, la cuisson soit plus facile lorsque vous voulez les faire cuire. Mon poisson découpé et nettoyé, divisé en deux comme ceci. Et là, j'ai dans mon tailler, mon mixeur africain, j'ai mes ingrédients pour pouvoir faire ma marinade. Là, j'ai cette quantité-là de poivre noir en grain, un cube magie poulet, un oignon, cette quantité-là de persil, 4 tranches d'ail ou 4 gousses d'ail et cette quantité-là de gemme. Je vais venir bien écraser tout ceci. Vous pouvez soit les écraser dans un tailler, sur un caillou ou les mixer. Je les fais assez, ce qui va me permettre de aussi confectionner mon riz avec. Les ingrédients bien écrasés dans mon tailler, mon mixeur africain, je les ai divisés en trois. Une partie pour mariner mon poisson avec, l'autre partie qui va me servir à faire mon wanché, le riz aux haricots, et une autre partie qui va me servir à faire ma petite sauce tomate. Donc, je vais passer par la première étape. D'abord, mariner mon poisson à l'intérieur comme à l'extérieur. Bien le mariner. Mon poisson l'a bien mariné. J'ai fait deux trous comme ça avec les doigts pour mettre à l'intérieur du moins ma marinade. Sur les deux côtés. Sur la tête aussi, j'en ai fait pareil. Sectionner mon riz aux haricots, le wanché. Là, dans une casserole, j'ai rajouté 5 cuillères à soupe d'huile végétale et je vais aussi mettre à l'intérieur une bonne cuillère à soupe de tomate pâte. Aussi, là dans une assiette, j'ai un tiers de poivron rouge, paprika rouge découpé en dés finement et un petit oignon vignolé aussi découpé finement que je vais rajouter aussi à l'intérieur. Avoir rajouté l'oignon et poivron rouge, je vais rajouter quelques pincées de pignon de cayenne. Désolé pour la vapeur, j'ai mon trépied, je sais pas pourquoi j'aime pas l'utiliser. Quelques pincées de pignon de cayenne ainsi, quelques pincées de noix de muscade et aussi on va dire l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe de poivron rouge en poudre de paprika rouge. Et je vais mélanger, laisser tout ça griller gentiment. Après 2 minutes à feu moyen, je viens rajouter à l'intérieur l'autre partie de ma marinade. 2 minutes après avoir ajouté ma pâte de marinade, je vais venir rajouter 2,5 cubes de magie poulet ainsi que mon haricot. Comme je disais tantôt, là j'ai 250 grammes d'haricot. Si nous voulons en faire plus, on allait jusqu'à doubler les quantités que je donne. Donc là, je vais juste laisser griller un moment, 2-3 minutes avant de rajouter de l'eau. Comme ça, je vous montre tout à l'heure. 2 minutes après avoir rajouté mon haricot, j'ai goûté la sauce tout à l'heure, elle est formidable. Je vais rajouter 550 ml d'eau à l'intérieur de ma casserole. On va essayer un peu de tourner tout ça et laisser bouillir.
Dans une casserole, j'ai rajouté de l'huile. Si vous voulez savoir si votre huile est assez chaude pour pouvoir frire ce que vous voulez, vous devez mettre une spatule en bois ou soit un crayon. Si cela frétille ainsi, ça veut dire que votre huile est assez chaude. Donc là, je vais venir rajouter mon poisson à l'intérieur. Après 15 minutes d'ébullition, je viens rajouter à l'intérieur un demi-sachet d'ajia, une poudre d'assaisonnement à l'intérieur. Pas la totalité, juste un demi-sachet. Désolée pour la vapeur encore. Et venez bien tourner tout ça. Et fermez la casserole et laissez encore tout ça bouillir. Mon poisson la frit sur le côté. Cela m'a pris 20 minutes pour faire cuire chaque morceau de poisson. Bien grillé là comme ça, je vais maintenant confectionner ma salade qui va accompagner mon riz. Là, j'ai rajouté à l'intérieur de ma salade qui est composée de choux, persil, oignon, poivron vert. Cette quantité là pas assez. Voyez tout ça. Je vais venir aussi rajouter à l'intérieur quelques pincées de poivre noir. Aussi un peu de sel, comme vous le consommez, la quantité. Et rajouter ensuite une bonne cuillère à soupe d'huile. Moi, j'ai utilisé l'huile de friture, du moins, du poisson. Et venir bien tourner tout ça. Ma salade mélangée est fin prête. C'est tellement délicieux. Vous pouvez me manger simple comme ça. Faire vos fritures de viande. Pourquoi pas y manger simplement comme ça. En fait, mon bon. Mais au Ghana, quand tu fais le pain, tu fais le fried rice, jollof rice, c'est toujours accompagné des crudités. Toujours. C'est trop bon. Voilà, ma salade est parfaite. Une toute petite salade juste pour deux personnes. Si vous devez en faire plus, comme je dis, vous devez juste doubler les quantités. Donc là, je garde ma salade sur le côté. Et j'attaque la suite de ma recette. Trop bon. Après 30 minutes... Lorsque vous constaterez que vos haricots, vous devez tester avec les doigts, sont un peu plus faciles à écraser avec la main. Donc cela m'a pris 30 minutes pour tenir cette texture. Je viens maintenant rajouter mon riz à l'intérieur. Comme j'ai dit précédemment, là j'ai un demi kilo de riz. Je vais bien tourner tout ça. Lorsque vous avez bien mis ainsi, venir rajouter à l'intérieur 300 ml d'eau. Et refermer la casserole. Dans la continuité de ma recette, là, dans une petite poêle, je suis venue rajouter l'équivalent de 2 à 3 cuillères à café d'huile végétale, l'huile qui m'a servi à frire mon poisson. Et là, j'ai le reste de ma marinade, ainsi que un demi magique. Je vais laisser tout ça bien frit. Rajouter aussi une demi-cuillère à soupe de tomate. Et laisser tout ça frit gentiment. Après quelques minutes, 2 à 3 minutes, je suis venue rincer dans mon tablier et juste un peu d'eau de mettre à l'intérieur. L'eau a bien pari, il ne reste que lui. Là, j'ai un oignon découpé en rondelles que je viens rajouter à l'intérieur. Et laisser encore tout ça bien mijoter. Mon riz qui est en train de cuire gentiment sur le côté. Après 3 à 4 minutes, après avoir rajouté les oignons, je viens maintenant rajouter mon poisson frit là-dessus.
ainsi que le jus qui est resté à l'intérieur de l'assiette. Je vais refermer ma poêle encore pour 3-4 minutes et c'est bon. Le résultat de mon wonch est servi. Mon riz aux haricots. Regardez-moi cette texture-là, tellement bonne. Ainsi que mon poisson. Salade de chou. Moi, j'aime bien quand la salade est en train de baver comme ça. Moi, j'adore. Avec des œufs servis. Le résultat servi ainsi. Je vous assure, c'est un délice, une dinguerie. Pour moi, c'est terminé pour cette recette. J'espère que vous avez été ravis de la partager avec moi. Quant à moi, j'ai été tout autant ravie de vous la présenter. Si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles recettes. Voilà, sur ce, on se dit à très bientôt. Il y a aussi certains abonnés qui m'ont écrit sur ma page Facebook Délices de Loup pour dire qu'il y avait des likes qu'ils ne retrouvaient pas ou qu'ils likaient et ça partait. Cela n'est pas grave, je pense que c'est YouTube. Comme ça fait 6-7 mois que je suis vraiment actif, je pense que c'est l'étape de contrôle parce que j'ai déjà écrit et c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc ne vous inquiétez pas, continuez à liker si vous ne le voyez pas. Je pense qu'ils me remettront lorsqu'ils voulont. On est là juste parce qu'on adore la cuisine. Donc merci pour le soutien, merci aux nouveaux abonnés, merci à ceux qui sont là depuis le début. Et on se dit à très bientôt et surtout bon appétit.